Avec ou sans raison, vous pouvez remarquer une apparition instantanée et disgracieuse des vergetures sur votre peau. Coucou mes amours, bienvenue sur votre chaîne Marie-Leonie Coach. Vous savez que c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous parler. J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux et celles-là qui, peut-être par hasard, étaient juste de passage sur la chaîne de Marie-Leonie Coach, vous vous êtes retrouvés là. Alors, abonnez-vous, puis cliquez sur la clochette de notification afin de toujours recevoir les publications que je fais au quotidien. C'est gratuit, ça ne va rien vous coûter. Maintenant, mes amours, pour ceux et celles-là qui ont récemment rejoint cette belle communauté Marie-Leonie Coach, vous êtes si nombreux de par le monde. Je ne vais pas citer tous les pays ici parce que vous êtes si nombreux. Je vous souhaite encore sincèrement la bienvenue. Je vous remercie de faire partie de cette extraordinaire famille. J'aime savoir, j'aime un peu imaginer les pays qui me suivent de par le monde. Voilà pourquoi est-ce que je vous demande tout le temps de mentionner le pays depuis lequel vous me regardez. On va parler de comment mélanger le sel de cuisine avec d'autres ingrédients pour, je vous promets, chasser définitivement les vergetures profondes. Je dis même les plus profondes, mes amours. Pour cela, nous aurons besoin du beurre de karité que voici, du blanc de l'œuf que voici, du sel que voici, d'une boisson gazeuse que voici, une boisson qui contient du gaz pour dire autrement, du sucre brun ou alors du sucre roux que voici, je l'ai mis dans une bouteille. Si, après une grossesse ou une prise de poids rapide, vous avez constaté la apparition des vergetures. En effet, c'est dû à une distension de la peau. Ce phénomène laisse des traces disgracieuses et peut même créer un complexe chez certaines femmes. Vous cherchez désespérément une solution pour remédier à ce problème et de préférence à moindre coût. J'ai une solution pour vous. Ceci se présente en deux étapes. Tout d'abord, ce gommage avec du sel et du sucre. Prenez une cuillère de sel, de préférence de mer, car il est riche en iodes et minéraux qui contribuent à la régénération de la cellule. Ensuite, une cuillère à café de sucre brun ou alors prenez 3 cuillères, puis un peu d'eau gazeuse. Je vous avais parlé des bienfaits de ceci sur la peau. Mélangez le tout dans un bol jusqu'à l'obtention d'un mélange identique à celui d'un yaourt épais ou alors d'un gel. Ensuite, appliquez sur la partie à traiter après l'avoir humidifié au préalable. Frottez dans le sens contraire de vos vergetures. Frottez fort jusqu'à ce que la zone rougisse. Prenez votre temps, c'est très important. Ensuite, rincez à de l'eau tiède. Comment est-ce que ce gommage agira sur la vergeture? La vergeture peut devenir moins visible grâce au gommage. En effet, ce dernier se débarrasse des cellules mortes, unifie la peau et la rend plus lisse. Le gommage contribue au rajeunissement de la peau en stimulant la circulation sanguine. Il est cependant important de souligner que le gommage est moins efficace quand la vergeture se trouve dans la couche inférieure et profonde de la peau, autrement dit dans le derme. C'est dans ce contexte donc qu'intervient la deuxième partie de notre duo de choc. Cette deuxième partie, cette deuxième étape de choc va se comporter comme une crème hydratante pour adoucir encore plus la peau en profondeur. Elle ira toucher les vergetures en profondeur. Elle ira soigner la peau dans ses moindres détails. Pour cela, vous aurez besoin d'un blanc d'œuf, d'une cuillère de beurre de karité brut, si possible extra bio. Mélangez ensuite jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Appliquez immédiatement après avoir fait la première étape. Je réitère mes propos. Après avoir fait la première étape dont nous avons parlé là-dessus, vous appliquez cette crème après cette première étape en frottant toujours fort dans le sens contraire de vos vergetures. Refaites les mêmes gestes tous les jours pendant minimum 3 mois suivant la complexité des vergetures. Je vous donne quelques conseils supplémentaires. Sachez que plus vous êtes assidu, plus les résultats seront visibles. Le traitement de la vergeture est assez long. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez jamais, ne vous arrêtez pas au premier résultat visible ou alors même invisible. Cela prend beaucoup de temps pour traiter la vergeture. Vous devez endurer et patienter, ne jamais vous lasser. De plus, pour ceux-là qui n'ont pas encore les vergetures, prévenir l'apparition de la vergeture reste la meilleure solution. Pour cela, buvez beaucoup d'eau afin d'éviter la sécheresse de la peau. Mettez soit une crème hydratante, soit faites ces astuces aussi souvent que possible, même si vous n'avez pas encore les vergetures. Mettez surtout sur les parties de votre corps qui prennent du volume. Associez le traitement avec des matériels et des produits anti-cellulite pour avoir une peau souple et tonique. Mes amours, vous savez que la chose la plus facile à faire pour un être humain, c'est de se tromper. Actuellement, il y a tellement beaucoup de traitements contre la cellulite et les vergetures. Moi, je vous conseille les produits naturels
naturels, car non seulement ils sont moins coûteux, mais ils vous évitent d'être en contact avec les produits chimiques qui peuvent avoir des effets secondaires. Mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette magnifique vidéo jusqu'au bout. Si vous avez jugé que cette vidéo était utile pour vous, alors soyez des personnes là qui sont généreuses. Pensez à partager cette vidéo, parce que si elle a été utile pour vous, alors imaginez-vous, elle sera également pour une personne qui est dans le besoin. Alors pensez à partager sur tous les réseaux sociaux afin que cela puisse impacter la vie de beaucoup de personnes et ainsi impliquer le changement dans le traitement des vergetures. Abonne-toi, s'il te n'oublie pas la petite icône là en forme de cloche de notification. Comme ça, tu es sûr que tu vas recevoir mes publications tous les jours. Mes amours, je vous souhaite un excellent week-end. De plus, quels que soient les problèmes d'ordre financier, familiaux, social ou alors même dans le travail, quels que soient les problèmes que vous avez, gardez la positive attitude, car à l'impossible ne m'est tenu. Concentrez-vous plutôt sur les choses dont vous avez et pouvez avoir une influence. Sur les choses dont vous ne pouvez rien faire, alors ne vous tracassez pas la tête. Gardez encore la positive attitude. Vous savez, mes amours, votre santé sur tous les plans me tient à cœur. Alors prenez grand soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.